C'est devant un parterre de hautes personnalités, au premier rang desquelles les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, que le représentant de l'ambassadeur de la RDC au Congo, Christophe Muzungu, vice-président du comité de pilotage du Festival d'Images d'Afrique, Festim Afrique, a lancé officiellement les travaux du Festim Afrique Paul Malebo, ce vendredi 18 août à Brazzaville. Devenu désormais un festival international, la première édition du Festim Afrique qui débutera du 8 au 14 septembre 2023 se tiendra en deux phases, d'abord à Brazzaville en République du Congo et à Kinshasa en République démocratique du Congo. Claudio Sama Kenegi, promoteur de Festim Afrique, sur le bien fondé de ce festival. Comme vous le savez, on ne peut pas parler de diplomatie sans traverser les frontières. Et voilà pourquoi il fallait, après les deux éditions de 2018 et 2019, fallait revoir le cadre juridique pour permettre à ce que d'autres pays aussi puissent accueillir notre festival. Parce qu'il faut que le festival soit accepté aussi à d'autres pays pour que nous constatons que notre initiative à une bonne et une grande proposition de valeur dans le cadre des concerts des nations. Pour cette première édition qui se prépare, ce festival multisectoriel qui prône le tourisme culturel à travers la diplomatie conjugue à la fois un volet thématique et festif. Cette édition est organisée à l'honneur de deux chefs d'État, a dit son promoteur. L'activité du Congo-Brazzaville sera organisée en l'honneur de notre chef de l'État. Pourquoi ? Parce que c'est dans son mandat qu'il a accepté pour la première fois qu'une couche juvénile, avec une initiative, déplace le corps diplomatique en 2018 et en 2019. Et cette activité a permis aujourd'hui que d'autres pays acceptent de recevoir cette activité. Et aujourd'hui, nous avons rencontré l'assentiment au plus haut niveau de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, de devenir le premier parrain international de Festim Afrique. Et nous remercions Madame la ministre de la Culture, Madame la ministre de l'Industrie culturelle et touristique de notre pays, ainsi que sa collègue de la RDC qui nous ont soutenus. Le terme choisi pour cette année est l'Afrique que nous voulons. Signalons que les invités à cette cérémonie ont eu droit à une visite de l'espace du village communautaire, culturel, touristique de Festim Afrique.